avons préparé nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Et nous voulons juste lui dire ce cœur qui dit « Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Personne n'est comme toi, Seigneur. » Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à se tenir debout dans une attitude de louange et d'adoration, lui dire: Seigneur, tu es digne d'être loué. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu de louange. Ensemble, disons-lui: tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Encore une fois, disons-lui: Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne de louange. Et nous voulons dire: nous te rendons toute la gloire ce soir. Nous te
dis-lui, il est l'alpha et l'oméga. Alpha, oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu es la source de l'existence, la source de la vie réelle et profonde. Tu es le bonheur du paradis, l'essence de la nouvelle Jérusalem céleste. Tu es ma raison de vivre, ma raison d'espérer. Tu es la force de ma force, la vie de ma vie, l'esprit de mon esprit. L'âme de mon âme, la joie de ma joie, la paix de ma paix, le bonheur de mon bonheur, tu es tout, Jésus. Que toute la gloire te revienne ce soir. Merci pour ce que tu fais à Liège. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ton sang versé. Merci pour ta mort et ta résurrection. Merci pour nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Merci Père pour l'espérance, la foi, la justification et la rédemption. Merci pour la présence de tes anges, de ton armée céleste. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ce beau jour. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par toi. En dehors de toi, il n'y a point de salut. Robo sikerebosh. Retemezite rebosh. Rosim pakarete shiti rebosa. Rosim agaragas pigi rabash. Yekente rebozuti rebosh. Rema baba suti rebosha, roba baba zita rebasha. Tu es ici, puissant, présent. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Dieu vivant, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime.
Dieu vivant, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Tu es tout pour moi, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Je t'aime, Dieu vivant, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dieu vivant, je t'aime. Enlever nos mains, invitant le Saint-Esprit. Il est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est un gentleman qui a besoin d'être désiré, accepté, invité pour se manifester et pour glorifier Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, sois le bienvenu ce soir au milieu de nous. Sens-toi à l'aise. Fais ce que tu veux. Glorifie Jésus-Christ. Enseigne-nous, Jésus-Christ. Pousse-nous vers Jésus-Christ. Approfondis-nous en Christ. Ce soir. Ce soir. Alléluia. Merci, Père. Je te confie ce message. Je te confie ces cœurs. Je te confie ces vies.
Souviens-toi de moi comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Bénis-le. Dis-lui, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut bénir 10 personnes? Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. I love you so much. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Et c'est encore une joie pour nous ce soir de vous apporter la parole de Dieu. Qui était là déjà hier? Levez simplement vos mains. Oh, acclamons pour eux. Et qui se sont joints seulement ce soir à nous, tenez-vous debout. Oui, ils sont nombreux, c'est la moitié. Acclamons très fort. Welcome. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je bénis Dieu pour cette chaleur. Ça me permet de me sentir à Kinshasa. Comme ça, je ne sens pas que j'ai vraiment voyagé. Amen. Il y a plusieurs personnes qui posent des questions, qui disent « Pasteur, comment voir vos vidéos et tout ?» Nos vidéos sont gratuites, nous ne vendons pas nos vidéos ni nos audios depuis un temps. Le Seigneur m'a convaincu de faire ainsi. Alors allez seulement sur YouTube, vous tapez « Compassion TV », vous vous abonnez et vous aurez chaque semaine des vidéos que vous pouvez même télécharger, partager, mettre dans vos ordinateurs, transformer en CD, en DVD, comme vous voulez, mais ne vendez pas. Amen. Vous avez le droit. Amen. Je vous donne le droit de me pirater. Amen. Mais ne vendez pas. Amen. Pareil aussi pour mon livre, vous pouvez l'avoir sur Internet, vous pouvez l'imprimer, le télécharger. Vous allez seulement sur 3W. Marcelo Tunassi Books avec S à la fin, parce que si vous arrêtez à Book, il y a quelqu'un qui a piraté mon site, alors il faut mettre Books avec S.com. Vous aurez mes deux livres, Découvre, expérimente sa présence et Stratégie face à la tentation, gratuitement. Vous téléchargez, vous imprimez et vous offrez à vos amis. Amen. Aussi, nous avons une application sur Google Play Store et sur App Store. Pasteur Marcelo Tunassi, vous téléchargez l'application, vous aurez les sermons, des écrits, des vidéos, des audios, même des chansons, gratuitement. Amen. Je ne suis pas contre ceux qui vendent. Amen. Mais comme a dit Tito, moi, c'est la direction que Dieu m'a donnée, de donner les vidéos, d'offrir les livres gratuitement. J'ai amené quelques livres, mais ben, comme on ne permet pas d'amener des tonnes, quelques livres que je vais offrir aux baptisés de demain. J'en ai pas beaucoup, je crois j'en ai 90 seulement. Alors faites l'effort d'être baptisé même à 90 personnes. Non, ne te fais pas baptiser pour avoir un livre, amen. Mais nous allons offrir aux baptisés. S'il en reste, il y a Polo qui va offrir. Je laisse ce problème à Polo, amen. Il va régler cela. Je vous apporte les salutations de mon épouse, la cuve de mon onction, Blanche Tunassi. Amen. Elle devait venir, mais elle est restée pour superviser la construction du temple. Nous devons déménager le 1er août. Elle a une grâce terrible dans le domaine de l'architecture, alors c'est elle qui coordonne. Elle n'a pas pu venir avec moi pour terminer certains travaux, mais je crois que l'année prochaine, elle sera avec nous. Amen. J'ai épousé une belle femme, plus grande de taille que moi. Amen. Mais très soumise aussi. Alléluia les mamans.
Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Marc 10, versets 28 à 30. Marc 10, versets 28 à 30. Vous y êtes, hein? Si tu ne sais pas trouver Marc 10, ah vraiment. Dis à ton voisin, c'est dans le Nouveau Testament. Il est en train de chercher dans l'Ancien. Dis-lui, c'est pas dans les Épîtres. Dis-lui, c'est dans l'Évangile. Amen. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Notre grand thème pendant ces trois jours, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Hier, j'ai parlé de la gloire comme étant la victoire sur la loi du péché et de la mort. Et aujourd'hui, je vais parler de cette chose que Christ apporte en nous. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, cette chose que Christ apporte en nous. À ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te boude. Il y a toujours un voisin qui boude, toujours. Amen. Christ apporte beaucoup de choses. Il faudrait des années et des années pour tout dire. Mais aujourd'hui, je vais m'apesantir que sur cette chose que Christ apporte en venant dans nos vies. Alléluia. La première chose dont je vais parler, c'est la famille. Amen. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses, mais il a parlé d'une chose. Il a dit, vous recevrez au centuple des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Alléluia. Des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Lorsque tu viens à Christ, tu vas rencontrer une famille. Alléluia. Des frères, des sœurs, des mères, des pères, des enfants. Et c'est un grand bonheur. Pourquoi? Parce que la conversion ne nous amène pas d'abord dans une église locale, mais la conversion nous amène dans une famille spirituelle. Alléluia. Lorsque tu nais de nouveau et tu deviens enfant de Dieu, tu vas rencontrer des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Ce qui fait que tu ne seras pas seul. Tu auras des frères, tu auras des sœurs, tu auras la communion fraternelle. Une grande bénédiction. Surtout en ce temps de la fin, l'homme vit dans l'égoïsme. Dans nos familles, souvent nous ne recevons pas suffisamment d'amour. Et bizarrement même, c'est dans nos familles que nous sommes blessés. Au point où même certains disent, lorsque j'étais un païen, j'avais des meilleurs amis. Et maintenant, j'en ai pas. Bien-aimé, lorsque tu viens à Christ, Jésus va te donner une famille. Ce frère qui est à côté de toi, c'est ta famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il te donne une famille sur la terre, mais cette famille va demeurer ta famille au ciel. Ce frère que tu vois, si vraiment il est en Christ, tu le verras au ciel. Alléluia. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine sociale, culturelle, tu es mon frère lorsque tu crois en Jésus. En Jésus, il n'y a ni grec, ni juif, ni congolais, ni belge, ni français. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous faisons l'effort même quand nous nous réunissons comme ça de ne pas parler lingala. Amen. Car il n'y a pas le Dieu des Congolais. Amen.
Nous devons mettre à l'aise nos autres frères. Amen. Nous devons mettre à l'aise nos autres frères qui ne parlent pas Lingala. Quand je suis à Kinshasa, il m'arrive de parler un peu Lingala. Mais ici, je chasse l'esprit de Lingala. Pourquoi? J'ai d'autres frères qui ne connaissent aucun mot du Lingala. Amen. Et ce que j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui te sens seul, sache que tu es seul parce que tu n'as pas la révélation de la famille que tu as. C'est pourquoi après le culte, quand on dit Amen, ne sortez pas de cette salle comme si vous êtes venu dans une salle de cinéma. Vous avez des frères, il faut saluer. Amen. Il faut partager la parole. Qu'est-ce qui t'a édifié? Qu'est-ce qui t'a touché? Et dans les moments difficiles, ne fouillez pas l'église, restez parmi vos frères. Il est arrivé un temps dans ma famille, nous sommes passés par des moments difficiles. Mon père avait perdu son travail, mais moi je m'étais déjà converti. Mes frères et sœurs ne l'avaient pas fait. Mais je vous assure, je n'avais pas senti la crise familiale. Pourquoi? Lundi, je mangeais chez tel frère. Mardi, chez tel autre frère. Mercredi, chez tel autre frère. Chez tel autre frère. Et chez tel autre frère. Je n'ai pas senti la crise parce que j'avais une double famille. J'avais la famille Tounassi et j'avais une autre famille, la vraie famille, la famille des chrétiens. Alléluia! Si tu es rejeté, si tu es abandonné, sache que tu as une famille. Voyez, je me retrouve à Liège pour la première fois, mais je mange, je roule en voiture, je ne manque de rien. Pourquoi? Je suis en famille. Et partout j'irai, je serai en famille, au centuple. Alléluia! J'ai rencontré des frères même dans l'avion. Et j'ai vu un frère, il m'a dit, Dieu me dit de te bénir. Et il m'a béni. Mon frère, je l'ai rencontré dans l'avion. Je les ai rencontrés partout. Frère, sœur, tu as une famille lorsque tu viens en Christ. Pour ceux qui sont très entourés, vous ne comprenez pas la valeur de cela. Mais il y a des personnes qui vivent la solitude, qui n'ont personne à qui parler, à qui partager leurs problèmes. Mais quand tu viens à l'église et tu viens à Christ, Dieu te donne des personnes qui t'aiment vraiment. Pas pour ton argent, pas pour ton rang social, pour ce que tu es en esprit. Tu es mon frère, tu es ma sœur et je t'aime. Amen. Je t'invite, mon frère, à donner ta vie à Jésus. Et ainsi, tu auras une famille, une vraie famille. Une famille qui priera pour toi, qui t'aimera en tout temps et qui sera là dans tes moments difficiles, dans le haut et dans le bas, qui va t'aimer quand tu es élevé. Et qui va t'aimer lorsque tu es dans le bas, une vraie famille. Pierre a reçu une famille, des mères, des frères, des sœurs et des enfants. Et je vous dis aussi, à vous qui cherchez des enfants et qui n'en avez pas, si Dieu ne vous en donne pas, adoptez un frère, adoptez une sœur en Christ. Alléluia! Ça paraît bizarre de le dire parce que souvent nous prêchons la foi. Mais nous devons aussi prêcher l'amour, amen. L'amour qui t'amène à adopter un chrétien taïwanais, cambodgien, amen. Et tu en fais ton enfant, alléluia. Car Dieu te donne des frères et des sœurs. La deuxième chose, c'est que Christ nous donne le vrai bonheur, qui ne dépend pas de l'extérieur, mais qui dépend de l'intérieur. Jésus-Christ te donne la vraie joie. 1 Thessaloniciens 1, verset 6, la Bible dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. » Jésus-Christ donne le vrai bonheur. Un bonheur qui ne dépend pas du succès. Un bonheur qui ne dépend pas de l'argent. Un bonheur qui ne dépend pas du nombre de likes et de j'aime sur Facebook. Un bonheur qui ne dépend pas de la promotion. Un bonheur qui ne provient pas de l'extérieur. Un bonheur qui provient de l'intérieur. Un vrai bonheur qui te permet d'avoir la joie même dans le deuil. Qui te permet d'avoir la joie même dans la maladie. Qui te permet d'avoir la joie même dans des temps de tribulation. Un bonheur qui te libère du stress, un bonheur qui te libère de la dépression, un bonheur qui te libère de la pression sociale, un vrai bonheur.
Ce bonheur ne dépendra pas de la marque de la voiture que tu as, des griffes que tu as sur tes vêtements. Ce bonheur ne va pas dépendre des promesses qui sont données par une telle et telle société. Mais ton bonheur proviendra de l'intérieur. Et je vous assure, l'homme moderne est à la recherche du bonheur. Nous nous entourons de toutes sortes de technologies pour être heureux. Mais de plus en plus, il y a des suicides parce que l'argent, le confort, toutes ces choses ne peuvent remplir le cœur de l'homme. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Seul Dieu peut remplir ton cœur. Jésus-Christ donne le vrai bonheur. Un bonheur qui se manifeste même dans les temps difficiles. Lorsque tout le monde pense que tu vas craquer, tu ne craques pas parce que ta force ne provient pas de ton extérieur, mais provient de ton intimité et de ta communion avec Dieu. Un bonheur qui ne provient pas de la drogue, un bonheur qui ne provient pas de l'alcool, un bonheur qui ne provient pas du compte en banque, un bonheur qui provient de lui seul. De lui seul, ça c'est un miracle. Frères, sœurs, plusieurs hommes sont à la recherche du bonheur. Et l'homme souvent pense, si j'ai plus, et si j'ai, et si j'achète, et si je possède, et si je deviens, et si je voyage, le jour que j'aurai, le jour que je serai, le jour que... Mais il y a une chose que tu ne sais pas. Tout ce que tu peux mettre dans ton cœur ne peut remplir ton cœur, parce que ton cœur a été créé à la forme de Dieu. Et seul Dieu peut remplir ton cœur. Et Jésus-Christ est le seul qui peut te donner ce bonheur que tu poursuis au travers des femmes, au travers de la drogue, au travers du péché, au travers du plaisir. Seul Jésus-Christ peut te le donner. Le vrai bonheur qui demeure dans la pauvreté et dans la richesse, dans la gloire et dans l'anonymat. Je ne suis pas heureux lorsqu'on me connaît. Je ne suis pas heureux lorsque j'ai plusieurs likes sur Facebook. Je suis heureux parce que j'ai une intimité avec Dieu. Un bonheur qui ne provient pas des salutations. Qu'on te salue ou pas, tu as la joie. Qu'on t'aime ou pas, tu as la joie. Ce ne sont pas les hommes qui déterminent qui tu es, mais c'est ton intimité avec Dieu qui le fait. Le bonheur! Le bonheur, un bonheur qui provient de l'assurance du salut. Tu sais que si tu meurs, tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au ciel. Tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur du futur, tu n'as pas peur du lendemain, parce que tu sais que ton lendemain est sous le contrôle de celui qui a son pied gauche sur le passé, son pied droit sur le futur, et qui est assis sur ton présent, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Lorsqu'un homme se drogue, après quelques minutes, il en redemande encore, il en redemande et il en redemande. Mais une fois que tu as Jésus, tu ne vas plus en redemander parce qu'il n'y a pas plus que lui. Le vrai bonheur! Le vrai bonheur! Oh bien-aimé, c'est l'une des choses que j'ai aimées quand je me suis converti. Quand je m'étais converti, j'étais à la recherche du bonheur et de la vraie paix. Parce que nous, quand on était des païens, vous savez, nous au Congo, on vit dans des rivalités pas possibles. C'est-à-dire, tu t'habilles pour. Alors, s'il y a un ami qui s'habille mieux, tu cherches à avoir plus. S'il y a une belle gonzesse, tu vas avoir plus. Et cherchant toujours plus, des meilleurs vêtements, une meilleure copine, des meilleurs vêtements, une meilleure copine, être connu dans le quartier, et tout le temps des rivalités, des compétitions, parce que si tu cherches à être premier pour être heureux, tu ne seras jamais heureux, parce qu'il y aura toujours un nouveau premier. Tu ne seras jamais éternellement premier, jamais, jamais. Et là, c'est un conseil que je donne à mes frères, si tu es heureux parce que tu es le premier bien-aimé, même si tu es le 80 fois ballon d'or, un autre sera le centième et le millième et les millièmes et les millièmes. Le bonheur ne doit pas provenir du fait d'être un, mais d'avoir le un. Je ne cherche pas à être le premier. Je veux avoir le premier en moi, l'alpha et l'oméga en moi. Mon bonheur ne vient pas du fait que le pasteur Marcelo est très connu. Demain, vous allez me rejeter. Demain, je pourrais venir prêcher à Liège. Vous ne venez pas. Mais que vous veniez ou pas, si Jésus-Christ est dans mon cœur, je suis heureux. La célébrité ne donne pas le bonheur, mais c'est Jésus qui donne le vrai bonheur. Le vrai bonheur.
Le nouveau téléphone ne donne pas le bonheur. Le temps que tu aimes le S7, ils en font un S10. Le temps que tu as le S10, il y a le S20. Le temps que tu as le S20, S80. Alors j'abandonne les S, Jésus. Même si j'ai un vieux téléphone, si j'ai Jésus, je suis heureux. Même si j'ai une vieille voiture, si j'ai Jésus, je suis heureux. Et si même mon look est ringard, si j'ai Jésus, je suis heureux. Mon bonheur ne provient pas de la mode. Mon bonheur ne provient pas d'un nouveau téléphone ni d'une nouvelle voiture. Mon bonheur est intérieur. Ça, c'est Jésus qui dort. Oh, Rebashaya. Jésus est dans la barque. Une barque agitée. Mais il dort. Les disciples s'agitent, mais ils dorment. C'est ça le bonheur que Christ donne. Où tu es capable de dormir dans une barque agitée. Quand tu penses à ton futur, tu n'as pas peur. Quand tu penses à ta vieillesse, tu n'as pas peur. Tu sais que ton avenir est assuré. Alléluia! Quand tu vois ton futur, tu ne vois pas un vieillard abandonné dans un home, non. Tu vois un vieillard glorieux, rempli du Saint-Esprit, donnant des conseils et influençant le monde. C'est ce que tu vois. Alléluia, le bonheur que Jésus-Christ te donne. Il te donne la vraie paix. Il te donne la vraie joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais surmené pour cesser de te donner la joie. Il aura toujours la force pour te communiquer la joie. L'un des signes de la conversion, c'est la joie. C'est pourquoi à la fin, nous allons danser comme des enfants. Et j'aime la chanson que vous avez chantée avant les temps des enfants. Ça, vous allez jouer encore. Alléluia. Le vrai bonheur. Quand on est païen, on peut aller dans des boîtes de nuit, tu danses, mais tu penses à tes problèmes. Mais en Jésus-Christ, tu danses et tu célèbres le Seigneur. Et plus tu danses, Jéricho tombe, tes chaînes tombent, les prisons tombent. La vraie joie sortait des boîtes de nuit, il n'y a rien là-bas. Et d'ailleurs, ils ont bien dit boîte de nuit, pas boîte de lumière, boîte de nuit. Mais venez en Jésus-Christ de Nazareth et vous n'aurez pas besoin d'aller dans des boîtes de nuit. Ils se droguent pour chanter, ils se droguent pour danser, parce qu'ils n'ont pas la vraie joie. Mais moi, je n'ai pas besoin. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le vrai bonheur. La troisième chose que Jésus-Christ donne, c'est la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1 à 2 dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. » Quand j'étais païen, je savais que je n'étais pas en paix avec Dieu. Et j'ai toujours été sincère. Lorsque je voyais des frères et sœurs prier, je leur regardais, je disais, « Ils iront au ciel et j'irai en enfer parce que moi, je suis un pécheur. » Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Des fois, il m'arrivait de dormir à 16 heures jusqu'à 23 heures. Et 23 heures, c'était comme le matin. Tu penses qu'il y a eu l'enlèvement de l'église et tu es resté. Ça t'est déjà arrivé. Et puis, j'ai dit, je suis resté. Je savais que je vivais dans le péché. Je savais que j'étais un mauvais garçon. Je savais qu'il y avait la colère de Dieu sur moi. Je savais que j'étais destiné à l'enfer, que la vie que je menais me condamnait à aller en enfer. Mais quand Christ vient dans ta vie, il te réconcilie avec Dieu. Il amène le pardon. J'aimerais te parler du pardon. Dieu est capable d'oublier tous tes péchés. Il est capable d'effacer tous tes péchés et de te traiter comme si jamais tu n'as péché. De sorte que lorsque tu viens lui rappeler tes péchés, il te dit qu'il ne les connaît pas. Car Dieu, dans le domaine du pardon, souffre d'amnésie. Le pardon, même si tu as avorté 10 fois, il te pardonne. Même si tu étais le pire des pécheurs, il te pardonne. Il a pardonné à Paul. Paul qui a tué des apôtres, qui a tué des chrétiens, qui a persécuté l'église, il en a fait aussi un apôtre, un serviteur de Dieu.
la paix avec Dieu. Il te dit, tu n'iras plus en enfer, mais tu iras au ciel. Ça, Jésus-Christ le donne. Et quand tu es face à lui, tu ne sens plus de condamnation. Jésus-Christ te donne la paix avec Dieu. Et quand tu penses à l'éternité, tu ne sens pas l'enfer, mais tu es convaincu d'aller au paradis, réconcilié avec Dieu. Il y a des gens ici, vous savez, au fond de vous-même, que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Vous savez que vous avez blessé le cœur de Dieu, que la vie que vous menez est une offense à votre Créateur. Vous sentez même la colère de Dieu sur vous. Quand j'étais païen, je sentais la colère de Dieu sur ma vie. Je sentais la colère de Dieu sur ma vie. Je savais qu'il m'en voulait. Certains même, quand vous péchez, vous avez du mal à relever votre tête. Pourquoi ? Vous savez que Dieu vous en veut. Lorsque Caïn avait décidé de tuer son frère Abel, il n'a pu relever la tête parce que son regard était rempli de culpabilité. Vous avez même certains décidé de ne plus aller à l'église parce que quand vous allez à l'église, vous vous rappelez que vous êtes sous le jugement de Dieu. Vous avez décidé même de ne plus écouter la parole de Dieu parce que vous savez que cela va vous rappeler que Dieu vous en veut. Mais lorsque tu viens à Christ, il te réconcilie avec le Père. Il dit au Père, pardonne-lui, j'ai pris sa place. Il a cru en moi et mon sang l'a lavé. Christ, répands son sang pour toi afin que Dieu efface toute ta condamnation. Et je t'assure que si tu le fais ce soir, Dieu va te traiter comme un homme qui n'a jamais péché. L'homme le plus mauvais de cette terre, si avant de mourir, il donne sa vie à Jésus-Christ, il ira au paradis parce que Christ nous donne la paix avec Dieu. Il a pardonné à ce brigand qui était à sa gauche, à sa droite et qui a cru en lui en dernière minute. Il n'a même pas eu le temps de servir Dieu, mais parce que seulement il a cru en Christ, Jésus lui a dit, moi et toi, nous serons au paradis. Jésus lui a donné la paix avec Dieu. Tu as besoin de la paix avec Dieu. Tu as besoin de la paix avec Dieu et tu ne peux recevoir cette paix sans Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, un serviteur de Dieu était malade et près de la mort. Le diable est venu devant lui et lui a révélé tous ses péchés. Il a vu devant lui tout un parchemin avec tous ses péchés. Le diable lui a dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça et ça, et tu vas mourir, tu iras en enfer. Et il a dit, c'est vrai Satan, j'ai fait ça et j'ai fait ça. Mais ce que tu as oublié, c'est que le sang de Jésus a effacé tout ça. Et à l'instant, une goutte est tombée sur le parchemin, a commencé à effacer tous ses péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si le diable vient te rappeler tes péchés passés, dis-lui, Dieu a tout oublié, il a pardonné, il a effacé, car je suis en Christ, j'ai la paix avec Dieu. Et tu n'as pas besoin de sentir la paix avec Dieu. Tu as besoin de croire, car si tu crois, c'est alors que tu sentiras. Mais si tu veux sentir pour croire, tu ne sentiras jamais. Tu dois croire que Dieu t'a pardonné. Et tu n'as pas besoin de le sentir ni de le voir. Tu dois croire qu'il t'a pardonné. La paix avec Dieu. Une autre chose, la vie éternelle. Dites vie éternelle. Jean 3, 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus-Christ en nous nous donne la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, même si tu meurs, tu n'es pas mort, car les chrétiens ne meurent jamais. Les chrétiens ne meurent jamais. Je dis, les chrétiens ne meurent jamais, mais ils changent seulement d'état. Il déménage de la terre pour l'éternité. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, tu deviens un immortel. Un immortel. Voici ce qui va t'arriver si tu es chrétien. Si tu meurs maintenant, tu iras au paradis afin de te reposer. Et lorsque Jésus-Christ reviendra au dernier jour, il va te ressusciter. La Bible nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tu auras un corps glorieux, comme celui des anges. Alléluia.
Tu ne seras ni homme ni femme. Tu n'auras plus de rides. Tu n'auras plus un dos courbé. Tu n'auras plus de cheveux blancs. Tu auras un corps fort, beau, alléluia, et parfait. Et tu iras à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs pour une fête de 7 ans qu'on appelle les noces de l'agneau. Alors que sur la terre, il y aura la tribulation et la manifestation de l'Antichrist. Tu seras dans les noces de l'agneau pendant 7 ans. Et après 7 ans, tu reviendras avec Christ, régner sur la terre pendant 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Et à la fin, au jugement dernier, tu iras dans la nouvelle Jérusalem céleste et tu vas vivre éternellement avec Jésus-Christ au siècle des siècles, au siècle des siècles. Voilà ton futur, 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 une vie éternelle. Je suis éternel. Je suis éternel, tu es éternel, car la mort ne peut rien te faire. Même si tu meurs, tu n'es pas mort, parce que tu as la vie éternelle. Oh, c'est la folie, tout ce que je viens de dire, c'est de la folie, mais c'est ça l'évangile. Ce qui est engendré par l'éternel devient éternel, et comme ton Père est éternel, tu es éternel. Tu ne mourras pas. Je dis tu ne mourras pas. Ton corps mourra, mais ton esprit ne mourra jamais. Ton corps mourra, mais ton âme ne mourra jamais. Et même si on t'enterre, on t'a sémé pour un temps et on va te récolter avec un corps glorieux. Un chrétien enterré, ce n'est pas un chrétien qui est mort, il est sémé. De la même manière qu'on prend une graine, on la met dans la terre, elle pourrit, mais elle donne un arbre. Si tu meurs en tant terre, c'est pour porter un arbre appelé corps glorieux, corps divin, un corps glorieux où tu te déplaces à la vitesse de la pensée. Oui, lorsque nous serons dans la nouvelle Jérusalem céleste, si j'ai besoin de te voir au côté est du ciel, je pense à toi et je suis. Tu ne vieilliras pas, tu ne tomberas plus malade. Tu garderas ta beauté, ta jeunesse. Car si Jésus-Christ apparaît maintenant, lui qui est mort et ressuscité il y a plus de 2000 ans, il a toujours la même beauté, la même jeunesse. Tel il est, tel nous serons. La seule chose qu'il a gardée de cette terre, ce sont les marques de la croix, afin de nous révéler qu'il est le mort et le ressuscité. Lorsque tu es en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Dites vie éternelle. Dites vie éternelle. C'est pourquoi devant la mort, je ne tremble pas. Si c'est le jour de ma mort, Dieu, prends-moi, 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 prends-moi. Donne-moi un amen. Un chrétien devant le jour de sa mort ne prie pas. Il dit, Seigneur, merci, car l'avion céleste est venu me prendre et m'amener à un endroit qui dépasse New York et les États-Unis. Je vous assure, la mort d'un juste est plus que la vie sur terre. Car sur la terre, un jour, tu peux tomber, abandonner. Mais si Dieu te prend, bien-aimé, tu as vaincu, tu as gagné. Jusqu'au bout, tu es resté fidèle. Un chrétien ne meurt pas en criant, les yeux ouverts. Yeah! Non. Oh Dieu, merci pour tes anges. Restez en paix. Je m'en vais dans un endroit. Gardez la foi. Je vois les anges de Dieu. Oh, merci. Les vrais chrétiens, quand même vous priez pour les garder vivants, et si c'est le temps, ils vous disent d'arrêter de prier. Ils veulent rentrer à la maison. Ma maison n'est pas ici. Je suis un pèlerin sur la terre. Je suis un homme qui vient de l'éternité, qui passe sur la terre pour rentrer dans l'éternité. C'est comme vous ne pouvez pas me retenir à Liège. Mon cœur n'est pas à Liège, il est à Kinshasa. Et je travaille pendant un temps pour rentrer à Kinshasa. Et je suis pendant un temps sur la terre, mais je vais rentrer dans l'éternité, car je proviens de l'éternité. C'est pourquoi dans la nouvelle Jérusalem céleste, mon frère, nous n'aurons pas des personnes tristes, parce que toutes ces personnes seront heureuses d'être mortes. Quand tu es chrétien, tu n'as pas peur de mourir. Mourir, c'est plus qu'aller aux États-Unis. Parce que là, je verrai Jésus-Christ. Là, je parle de lui sans le voir, mais je le verrai. Je veux vivre l'Apocalypse. Christ te donne la victoire sur la peur de la mort. Il te donne une nature divine. Qui veut cette vie éternelle? Alléluia.
une vie qui demeure malgré la mort, une vie qui affronte la mort et qui triomphe de la mort. Car si lui qui est la tête de l'Église est mort et ressuscité, nous qui sommes le corps, nous ressusciterons, car tel il est, tel nous sommes, et la vie qui est dans la tête est entrée dans le corps, et le corps a la même vie. N'ayez pas peur de la mort. Je dis, n'ayez pas peur de la mort. Lorsque tu es chrétien, tu es immortel. Tu tues mon corps, tu n'as rien fait. Tu m'as permis de changer d'état. C'est pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort. Lorsque la persécution est arrivée et qu'on devait tuer Pierre, il a dit, accorde-moi cette grâce. Ne me crucifiez pas comme mon Seigneur. Crucifiez-moi la tête en bas, les pieds en haut. Lorsque Néron envoyait des lions, il chantait devant les lions. Lorsqu'on les brûlait, ils chantaient alors qu'on est en train de les brûler. Pourquoi? Ils savaient qu'ils avaient la vie éternelle. Ce sont des choses qu'il faut dire à nouveau aux chrétiens. Les païens ont peur de la mort et les chrétiens ont peur de la mort. Les païens tremblent devant la mort et les chrétiens tremblent devant la mort. Quelle est la différence? Quand j'ai pris mon avion et que je venais à Liège, est-ce que je pleurais? Je savais que je vais dans une nation qui est très belle et tout, tout, tout. J'étais très heureux. Mais quand un chrétien meurt, il va dans un endroit qui est plus beau. Il doit aller dans la joie et dans la paix. J'ai vaincu. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il voyait sa mort, il disait, j'ai combattu. Alléluia. Il annonçait sa mort en prison, mais il prêchait dans la joie et dans la paix. Et quand sa mort avançait, il prophétisait comme quelqu'un qui allait prendre une récompense. C'est pourquoi ils ont accepté la persécution. Vous savez pourquoi les chrétiens, nous n'arrivons pas à prêcher Jésus-Christ dans des moments de persécution? Parce que nous avons peur de la mort. Un chrétien qui a peur de la mort ne peut pas prêcher dans un endroit où on peut le tuer. Et là, bien aimé, les islamistes doivent nous prêcher. Alléluia. Parce qu'eux, ils sont prêts à mourir. À mourir pour leur foi. Pourquoi? Ils croient au paradis. Croyez-vous au paradis? Chrétiens, croyez-vous au paradis? Le christianisme sans la foi dans le paradis, ce n'est plus le christianisme. Ça devient des philosophies et la religion. Le christianisme sans croire en l'éternité, ce n'est plus le christianisme. Nous n'allons pas changer le christianisme qui devienne rationnel. Le christianisme est irrationnel. C'est irrationnel. Chaque fois que nous enlèverons la dimension de l'éternité dans la parole, ce n'est plus la parole de Dieu, car la parole provient de l'éternité. Si tu es chrétien, tu as la vie éternelle. Et si tu meurs, tu ne meurs pas. Tu vas dans un endroit qui est meilleur. Cinquièmement, une nouvelle nature. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un pasteur qui est allé à l'école biblique. Et on lui a demandé de parler de sa vie. Il a écrit. Et après qu'on a lu, on l'a appelé, on a dit, mais tu as menti. Il dit, comment? Mais tu as dit que tu ne t'es jamais drogué. Tu as dit que tu n'as jamais fait la prison. Mais on te connaît bien. Tu as fait la prison. Tu t'es drogué. Mais tu as dit que tu n'as rien fait. Et mais tu as menti. On ne peut pas te retenir dans notre école. Il a dit, j'ai pas menti. L'ancien moi a fait toutes ces choses. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Alléluia. L'ancien moi a commis l'impudicité, mais celui-ci, il n'a rien fait. Si une personne est en Christ, c'est une nouvelle création. Pas créature seulement, une nouvelle création. Lorsque tu crois en Jésus, Dieu te récrée. Alléluia. Dieu te récrée. Je dis, Dieu te récrée. Tu deviens une nouvelle personne. Il te transforme. Ce qui t'a tiré ne va plus t'attirer. Ce qui était pour toi un gain devient de la boue. Ce qui était pour toi la gloire devient rien du tout. Tu es récréé, transformé, régénéré. Dieu te donne une nouvelle vision. Il te donne la sagesse. Il te donne sa nature divine. Il te donne le fruit de l'esprit. Tu as la foi, tu as la joie, tu as la sagesse, tu as l'espérance, tu as la douceur, la maîtrise de soi. Tu deviens comme Dieu, tu as son caractère, sa nature. Voici ce que Christ donne à un homme, une nouvelle nature. Il le recrée à nouveau. De sorte même que ceux qui t'ont connu te disent, est-ce que c'est bien toi?
c'est le nouveau moi. J'étais avant une chenille, mais j'ai connu la métamorphose et je suis devenu un papillon. Alléluia! Un papillon par la puissance de la parole et de l'esprit. J'aimerais dire à tous les parents qui sont fatigués de leurs enfants, amenez-les à recevoir Jésus-Christ et ils seront des nouvelles créatures. Pasteur, ne prêche pas trop la discipline à l'église, prêche Jésus. Et quand les fidèles seront convertis, ils appliqueront la parole parce qu'ils auront la nature de Dieu pour participer à sa vie. Si un homme reçoit Jésus, il devient un autre homme. Rien qu'un homme, s'il reçoit la sorcellerie, il commence à s'envoler. Il reçoit la sorcellerie, il peut quitter Liège, il va jusqu'à Paris en esprit. Mais maintenant tu reçois Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu demeures intact, impossible. Il te récrée, il te transforme, il change ta manière de parler, il te donne la maîtrise de soi. Tu commences à dominer le péché qui te dominait, tu commences à dominer ce péché. Toi qui n'arrivais pas à prier, tu commences à prier des heures et des heures. Toi qui n'aimais pas, tu commences à aimer. Toi qui ne pardonnais pas, tu commences à pardonner. Toi qui n'avais aucune intelligence, aucune sagesse de la vie, tu commences à avoir la sagesse. C'est que Christ est capable de faire. Jésus-Christ nous donne le pouvoir sur le diable, sur les démons. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Christ en nous nous donne le pouvoir sur Satan et sur les démons. Quand j'étais un païen, j'avais peur des sorciers. Très jeune dans ma vie, j'ai été confronté aux puissances des ténèbres. J'avais une tante qui vivait chez nous. Elle nous parlait beaucoup des sorciers. Et comme elle nous parlait tellement des sorciers, j'ai eu la foi dans ces puissances, de sorte que chaque nuit, ces puissances me dérangeaient. Et une fois, à l'âge de 10 ans, j'ai vu dans ma chambre des sorcières venir. Je ne dormais pas. Elles ont traversé le mur, habillées en tauge, avec un tam-tam et une casserole qui bouillonnait dans l'espace. Elle chantait mon nom. Elle disait qu'elles allaient me manger. Elle chantait dans une langue swahili. Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. Je vais manger Marcelo. Et lorsque ces sorcières chantaient, je sentais mon esprit quitter mon corps et entrer dans la casserole. J'ai prié la prière de « Je vous salue Marie ». Je vous assure, Marie ne m'a pas répondu. Ne priez pas Marie. La prière de « Je vous salue Marie » n'est pas biblique. « Je vous salue Marie », c'est une salutation d'un ange à Marie, ce n'est pas une prière. Et j'ai prié Marie, Marie ne m'a pas répondu. Et j'ai pris ma deuxième prière, « Notre Père qui es aux cieux, quand j'ai dit que ton règne vienne, les sorcières sont parties. » Mais quand elles sont parties, elles ont commencé à me parler aux oreilles. Je voyais en esprit ces personnes me parler, me dire « Tu penses parce que tu as prié, ne t'auront pas. » Et quand cela est arrivé, je suis allé auprès de ma grand-mère. Et elle, au lieu de prier, elle a fait aussi des fétiches pour me protéger. Et depuis ces jours, des esprits mauvais me protégeaient, des puissances, des ténèbres, comme si Satan protège de Satan. Mais depuis ce jour, mon cœur était endurci contre les choses de Dieu. Je ne supportais pas l'église, je ne supportais pas les serviteurs de Dieu. Au point où quand il y avait des églises à côté, je pouvais prendre un baffle, mettre à côté d'une église et mettre la musique d'MC Hammer. Et quand le pasteur venait, il disait « Marcelo, tu nous déranges », j'ai dit « Que ton Dieu t'achète un baffle. » Mais je vivais des présences démoniaques. Et le jour de ma conversion, Jésus-Christ m'est apparu dans ma salle de bain. Je lui ai donné ma vie le matin. Mais le soir, quand je suis allé m'endormir, j'ai vu des démons, des nains. Car les démons existent, mes frères. Des nains, tout petits, tout noirs, des millions, qui parlaient tous au même moment, trois langues, le français, le lingala et le swahili, qui me disaient « Pourquoi tu t'es converti ?» Ces nains sont entrés en trompe par la fenêtre et m'ont paralysé. Et quand ces esprits m'ont paralysé, j'ai vu encore mon corps rester comme une statue,
parce que ce corps bien-aimé, il n'est que terre. Mon corps restait mort et ses esprits me faisaient sortir par la fenêtre pour m'amener et me tuer. C'était les esprits que ma grand-mère avait mis en moi pour me protéger. Je ne le savais pas. Et là, ma bouche ne pouvait pas parler. Mon corps ne pouvait pas bouger. Mais je voyais, parce que je dormais dans une chambre commune, les autres causaient, parlaient, mais j'étais incapable de leur parler. Quand un homme meurt, attaqué par les puissants des ténèbres, il voit et des fois il ne sait pas parler. Et je ne pouvais pas parler, mais je voyais que je mourais, que je m'en allais. Et vous imaginez, j'étais converti d'un jour. Je ne connaissais pas assez la parole. Et tout d'un coup, dans mon esprit, je me suis rappelé. On m'avait raconté une histoire. Que si les démons t'attaquent, il faut dire Jésus. Et j'ai dit Jésus. Pas avec la bouche de mon corps, mais la bouche de mon esprit. Car l'esprit a une bouche, a des yeux et des oreilles. J'ai dit Jésus. Tous ces démons, ces milliers de démons m'ont lâché à l'instant même. Je suis retombé dans mon corps. Mais comme j'étais un nouveau converti, j'ai fouillé la chambre. Et tous ceux qui étaient dans la chambre ont fui. Quoi? Les démons, tout le monde est sorti. Les démons! C'est quand j'ai commencé à méditer sur la puissance du nom de Jésus. Chaque fois que je dormais, ces puissances venaient. Chaque fois que je dormais, ces puissances venaient. De sorte même que j'étais habitué à être attaqué. Ces puissances prenaient la forme des chiens, prenaient la forme des serpents, m'apparaissaient, me parlaient, nous allons te tuer, nous allons te tuer, nous allons te tuer. Et je vivais tous les jours dans la peur. La journée, j'étais dans la joie. Mais quand venait la nuit, je commençais à trembler. Les démons vont venir, les sorciers. Si j'osais prier longtemps, les puissants des ténèbres venaient me menacer. Jusqu'à ce que j'ai appris la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Quand ces démons venaient, je disais, au nom de Jésus, sortez de cette chambre et je dormais. Ces démons partaient. Et j'ai remarqué, quand tu n'as pas peur du diable, il te respecte. Mais si tu as peur de lui, il reviendra parce que tu n'as pas la révélation de ce que tu es en Christ. Il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Je dis, il y a le pouvoir dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus brise les chaînes, brise les possessions, brise les obsessions, libère les captifs, anéantit l'occultisme, la sorcellerie. La sorcellerie n'est rien devant le nom de Jésus. Les puissants des ténèbres ne sont rien devant le nom de Jésus. Il a dépouillé les autorités et les dominations et il t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tous genoux fléchis et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsque tu es attaqué, dis seulement Jésus. Lorsque tu es combattu, dis seulement Jésus. Lorsque les puissants des ténèbres remplissent ta chambre, dis seulement Jésus. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu pourras marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents. Ils ne pourront rien te faire. Et si tu es là, tu es dans la magie, essaye, il n'y aura rien du tout. Rien du tout, tu es un petit. Tu es à la maternelle spirituelle. Je dis, tu es à la maternelle spirituelle. Magicien, tu es à la maternelle. Franc-maçon, tu es à la maternelle. L'université, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les francs-maçons sont petits, les Illuminati sont petits, le pouvoir c'est dans le nom de Jésus. Si tu es fort, empêche-moi de prêcher, tu n'es pas fort, tu n'es rien du tout, tu es en train de servir un Seigneur déchu, un Seigneur déchu. Le diable c'est un serpent, la tête écrasée, tout ce qu'il fait, il ne fait que bouger la queue. Et si tu n'as pas la révélation, tu fais, ah, il est mort. Ah! Occultiste, magicien, change de camp. La Bible nous dit, le volant ne vient que pour voler, dérober, détruire. Mais moi, je suis venu afin de donner aux brebis la vie et la vie en abondance. Oh, Jésus! Donne une vraie bénédiction, une bénédiction qui ne se suit d'aucun chagrin. Mais le diable, il va te donner le succès. Mais il te dit, tu ne vas jamais regarder en arrière. Mais si on veut me taper en arrière, tu as le succès, mais tu ne peux pas dormir. Tu as le succès, mais tu ne peux pas manger la viande. Tu as le succès, mais tu ne peux pas. Pourquoi?
Quand le diable bénit ses enfants, il est jaloux de ses enfants parce qu'il a un mauvais cœur. C'est pourquoi il donne des interdits qu'on ne peut faire parce qu'il veut te piéger dans ce qu'il te donne. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Un chrétien a le pouvoir. Et quand tu dors avec un sorcier, ce n'est pas à toi de fuir la chambre, c'est à lui de déménager. C'est à lui de déménager. Et lorsqu'un sorcier t'attaque, c'est comme un bouc qui attaque un lion. Alléluia. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et l'église est la lionne de la tribu de Juda. Est-ce qu'un bouc peut manger une lionne? Est-ce qu'un bouc peut manger une lionne? Est-ce qu'un bouc peut manger une lionne? Oh, les sorciers vont me manger. Depuis quand les chèvres sont carnivores? Depuis quand la chèvre est carnivore? Tu es la lionne de la tribu de Juda. Tu es une lionne car ton mari était lion. Alléluia! Tu as le pouvoir. Je dis, tu as le pouvoir. N'aie pas peur des francs-maçons. N'aie pas peur des occultistes. N'aie pas peur. Salue-les. Il faut les saluer pour qu'il y ait transfert de puissance. C'est à eux de déménager, c'est à eux de te fuir, ce n'est pas à toi. C'est pourquoi je suis contre ces choses. On est dans un culte des chrétiens. Hé, les sorciers sont là, ils nous attaquent. Quelle publicité gratuite. Imaginez, on est entre lions, on est en train de causer, puis une chèvre vient. Et puis les lions disent, il y a une chèvre, au secours, il y a une chèvre. Ils vont dire, bon appétit. Sorcier, quand tu viens là, bon appétit. Au travers de toi, nous allons voir la puissance du nom de Jésus. Et tu resteras paralysé, 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 paralysé. Si tu es dérangé par les démons, chasse-les au nom de Jésus. Si tu es oppressé, chasse au nom de Jésus. Si tu es obsédé, chasse au nom de Jésus. Si tu es lié, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes au nom de Jésus. Jésus en toi te donne le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Un chrétien plus qu'un magicien. Qu'est-ce que j'irai faire dans la magie? Quand des gens disent, Marcelo, c'est un occultiste, c'est une insulte. Comment tu me dégrades à ce bas niveau-là? Un bas niveau comme ça. Un bas niveau là, c'est une... tu m'insultes. Comment je peux descendre si bas là, si bas là-bas? Yeah! Ça va, je vais te parler un peu de Satan, toi qui as peur de Satan. Voilà. Satan, lorsqu'il s'est rébellé au ciel, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a précipité sur la terre. Jésus l'a poursuivi dans le désert. Il a vaincu. Alléluia. Il est mort à la croix. Il a vaincu. Il est ressuscité. Il a vaincu. Et la Bible nous dit, dans le millénium, un ange sans griffe le mettra pendant 1000 ans. Un ange sans nom liera Satan pendant 1000 ans. Pas Dieu. Un ange prendra Satan. Et on ne dit même pas c'est Michael, c'est Gabriel. 1000 ans, et Satan est tout calme. Le Satan que tu sers là, tout calme. Il attend 1000 ans. Et puis les démons disent, Satan sort. Non, on m'a donné 1000 ans. 1000 ans de quoi? 1000 ans de prison. J'attends ma libération conditionnelle. Un petit diable comme ça, il t'effraie. Vous savez que les hommes forts ne font pas trop de grimaces. Quand il est fort, il se manifeste. Jésus se manifeste à Gadara, les démons fléchissent. Mais ceux qui ne sont pas forts, quand ils veulent se battre, je vais tuer. Et le diable, c'est ça qu'il fait. Je vais te tuer. Oh, parce qu'il n'est pas fort. Parce que s'il se révèle comme il est, tu vas découvrir que c'est un chat qui parle comme un lion, mais qui utilise un mégaphone. Alléluia. Le diable était dépouillé à la croix. Le diable était vaincu à la croix. Lorsque tu as Jésus, tu n'as pas de lien de famille. Tu n'as pas de lien de famille. Oh, dans notre famille, nous mourrons à 50 ans. Ça, c'est faux. Dans notre famille, nous mourrons de diabète. Ça, c'est faux. Lorsque tu as Jésus, tu n'es plus sous l'emprise des démons de famille. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. J'entends quelqu'un me dire, mais nous voyons des chrétiens qui subissent des puissances des ténèbres. Voici pourquoi.
si je vais dans cette chambre-là, je me bats contre Vincent, je le tabasse, mais il sort avant moi, il peut vous dire qu'il m'a tabassé. Il faut aller vérifier là-bas et me demander ce que je lui ai fait. Satan sort de la défaite et il vient vers le monde. Je suis plus fort que Dieu. Et il parle beaucoup. Entre dans la révélation des Écritures. Tu verras ce qui s'est passé dans la chambre. Il était vaincu. Le diable a la force dans ta vie parce que tu n'as pas la connaissance de ce que Jésus lui a fait. C'est pourquoi il paraît être fort, mais il n'est pas fort. Et quand même tu touches à l'occultisme et tu décides d'abandonner, il va te dire je vais te tuer. Archi faux. Si mon enfant court dans mes bras et je suis le roi, qu'est-ce qu'une sentinelle fera? Qu'est-ce qu'une sentinelle fera? Oh non, je ne vais pas abandonner l'occultisme. On m'a dit que je mourrais. Oh, tu fuis dans les bras du roi et une sentinelle te menace de mort et tu mourras. Tu n'as pas la révélation du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Il sera ton bouclier, ta forteresse, ta citadelle. Il sera ta droite nuit et jour. Oh, gloire à Dieu. Chaque fois que le diable t'attaque, dis oh Dieu, merci. Tu me donnes l'occasion de démontrer ta puissance. Chaque fois que les démons t'attaqueront, dis Seigneur, sois loué, car tu me permets de voir que j'ai l'autorité dans le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ne devient pas puissant parce que tu le cites 10 fois, ni parce que tu as une grosse voix. Il est puissant en lui-même, car c'est le nom de celui qui a tout accompli. Ainsi que tu dises Jésus, c'est puissant. Jésus, c'est puissant. Jésus, c'est puissant. Des fois même tu dis c'est moi. Satan connaît la suite. Il dit hey. Oh, acclame Jésus. Acclame Jésus. Le nom qui sauve. Le seul nom. Pas le nom de Marie. Pas le nom de Bouddha. Pas le nom de Mahomet. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Et le diable le sait. Les sorciers le savent. Les occultistes le savent. Les démons le savent. Oh, gloire à Dieu. Et pour finir, Jésus en toi te donne le Saint-Esprit et son onction. Acte 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, gloire à Dieu. Jésus en toi, fais de toi le temple du Saint-Esprit. Fais de toi la maison du Saint-Esprit. Et est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec des démons? Est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec la malédiction? Est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec le péché? Lorsque tu crois en Jésus, le Saint-Esprit, qui est la personne la plus importante sur la terre, car Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Il vit en toi. Il marche avec toi. Tu es à Liège, il est avec toi à Liège. Tu vas à Kinshasa, il est avec toi à Kinshasa. Où que tu ailles, il marche avec toi. Tu es sa maison. Tu es son temple. Alléluia. Oh, Moïse a cherché ça, il n'a pas eu. Élisée l'a cherché, il ne l'a pas eu. Car cela ne s'est accompli que dans l'évangile. Dans la grâce, nous avons le Saint-Esprit en nous. Pas sur nous, le Saint-Esprit en nous. Tous les prophètes de l'ancienne alliance et les rois ont eu le Saint-Esprit sur eux. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il te parle en toi. Il te parle, il te dirige, il te conseille. Il te donne une sagesse qui dépasse ton âge et ta connaissance et tes études. Le Saint-Esprit, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. Et il te donne la puissance de guérir les malades, la puissance de convaincre, la puissance d'évangéliser, de parler de Christ et les âmes sont sauvées. Il te donne la force, il t'amène à manifester Christ dans ton environnement. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il te donne de parler en langue. Il y a des gens qu'on parle en langue, disent ça c'est quoi encore? Bien-aimé, même si tu n'aimes pas, j'aime. Ah oui. Il y a des gens qui aiment parler anglais, ils parlent anglais même si vous n'entendez rien. Et ah bah, ils parlent bien anglais. Moi aussi je parle bien en langue. Rebo sikaraba. Chante robobo.
Ça te dérange. C'est parce que tu n'as pas, tu es jaloux. Et il y a quelqu'un qui, derrière ce que tu dis, tu ne le comprends pas. Je n'ai pas besoin de le comprendre parce que j'ai confiance en celui qui parle. Car jamais le Saint-Esprit ne peut m'insulter ni insulter Jésus. Et quand je parle en d'autres langues, je n'ai pas un problème de là et de le, de conjugaison, de grammaire, d'article et d'accent. Il n'y a pas de faute. Alléluia. Car je parle en esprit et mon intelligence est stérile. Et des fois quand nous prions, nous ne savons pas quoi demander. Car des fois tu peux en train de demander l'argent, mais ton problème ce n'est pas l'argent. Tu as besoin de la paix. Et quand tu parles en langue, le Saint-Esprit demande la paix au lieu de demander l'argent. Et tu peux croire que ton problème est spirituel alors que ton problème est social. Et quand l'Esprit prie, il prie pour le social. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront des nouvelles langues. Jésus a promis de parler de nouvelles langues, de parler la langue des anges. Car les anges parlent en langue. Et Dieu a créé les cieux et la terre en langue. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il avait parlé français? Il avait parlé italien, anglais? Qu'est-ce qu'il avait parlé? En langue. Mais oui. Quand tu lis ta Bible en français, tu penses qu'il a dit que la lumière soit en anglais. Dieu avait parlé quelle langue quand il créait? Parce que les langues sont nées à Babylone, à la tour de Babel. Mais avant ça, Dieu parlait quelle langue? Ne sois pas jaloux. Si tu crois en lui, aujourd'hui tu vas parler en langue. La Bible dit tu recevras le baptême dans le Saint-Esprit et tu auras le signe du parler en d'autres langues. Et celui qui parle en langue, il est comme quelqu'un qui recharge sa batterie. On appelle ça dynamis. Une force qui se régénère par elle-même. Quand je parle en langue, je me fortifie en esprit. Et même si le matin j'étais faible, quand je parle en langue, je recharge mes batteries. Christ en toi te donne l'onction. L'onction, ce n'est pas que pour les pasteurs. Tout chrétien est oint. Car chrétien veut dire comme Christ. Christ, c'est l'onction. Un chrétien est oint. Maman, quand les enfants sont malades, ne cherche pas le pasteur, impose les mains. Arrêtez de nous déranger à 2h du matin, nous aussi nous dormons. Une fois, une maman me téléphone, « Pasteur, pasteur, prie pour moi. » Et puis, je réponds avec une voix vraiment fatiguée de quelqu'un qui vient du sommeil. « Allô ? » ?»« Oh, pasteur, tu dormais ?»« Oui. »« Eh, pasteur, toi aussi tu dors ?» Je dis, « Maman, je dors. » Pire, je ronfle. Je ronfle. Maman, occupe-toi toi-même de ces démons-là. Moi, je dois dormir parce que demain, je travaille. Tu as l'onction pour bénir tes enfants. Tu as l'onction pour imposer les mains aux malades. Tu as l'onction pour chasser les démons. Toi aussi, pas seulement nous, nous sommes tous sacrificateurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le clergé et les laïcs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Oh, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Moi, j'ai la grâce d'enseigner, mais tu es aussi serviteur de Dieu. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Dis, j'ai l'onction. Qui, quand il prie, sent le feu? Tu as l'onction. Qui, quand il prie, sent comme s'il a une veste? Tu as l'onction. Qui, quand il prie, sent qu'il devient nombreux dans la chambre? Tu as l'onction. Tu as l'onction. Mais tu te négliges, tu te minimises. C'est pourquoi tu vas partout. On t'impose les pieds. On te donne des coups de tête spirituels. On dort sur toi alors que tu as l'onction. J'ai l'onction. Quand tu crois, tu as l'onction. Tu as le Saint-Esprit. L'Esprit qui est élevé au-dessus de tout autre esprit est en toi. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. Oh, gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur Dieu, je te remercie. Je te rends grâce pour ta parole. Je demande que ta puissance de persuasion accompagne ce message, Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui, pour la gloire de Jésus, ait lieu une grande moisson. Ton amour
m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé. Ton amour m'a touché, ton amour m'a changé, ton amour m'a troublé, je suis comblé, 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 comblé. Yes. Comblé, 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 je suis comblé, 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 comblé. Recevoir Christ en toi. Tu désires recevoir Jésus en toi. Tu veux devenir son temple. Tu veux la paix avec Dieu, le vrai bonheur, la vraie joie, le pouvoir sur le démon, le Saint-Esprit. Partout où vous êtes, je vous invite devant. Descendez dans ces allées, car Jésus-Christ vous attend. Il veut entrer dans vos vies. Il veut vous donner la vie éternelle, cette vie qui vous rend immortel. Et même si tu meurs, tu iras au paradis. Approchez-vous. Venez devant. Comme le dit ce cantique, il veut combler ta vie de paix. Approchez. Nous acclamons pour eux. Venez. Venez, venez, venez.
tout ce que j'ai dit est vrai. Et tu vas l'expérimenter aujourd'hui même. La paix avec Dieu, la vie éternelle, le pardon, une nouvelle nature. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Tu reçois le pouvoir au nom de Jésus sur les démons. Le Saint-Esprit va commencer à te parler. Tu vas devenir son ami. Il va commencer à guider ta vie, guider tes pas. Il deviendra ton principal conseiller. Nous allons nous agenouiller devant Jésus. Humilie-toi devant Jésus. C'est lui le roi. C'est lui le sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Je demande à tous les autres de se tenir debout. Vous avez levé vos mains vers nos frères et sœurs afin que ce soir, ils expérimentent le miracle de la nouvelle naissance. Cette soirée particulière. Saint-Esprit, je t'invite. Convainc les cœurs. Convainc les cœurs. Présente Jésus à ses cœurs et que ses cœurs tombent amoureux de Jésus-Christ ce soir. Je demande un réveil, une grande moisson, une grande moisson d'âme. Tu vas prier avec moi. Jésus-Christ, dis avec moi, Jésus-Christ, viens en moi, donne-moi la paix que j'ai toujours cherchée. Pardonne mes péchés, réconcilie-moi avec Dieu. Je ne veux pas aller en enfer, donne-moi le Saint-Esprit. Je veux devenir le temple du Saint-Esprit. Donne-moi une nouvelle nature, remplie d'amour, de paix, de foi, de douceur, de maîtrise de soi, de sainteté. Donne-moi l'assurance du salut. Donne-moi la vie éternelle. Au-delà de la mort, je veux vivre. Je veux ressusciter pour être enlevé. Je veux aller au paradis, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Fais-le ce soir. Transforme-moi. Change-moi. Délivre-moi des puissances des ténèbres. Délivre-moi des démons. Délivre-moi de Satan, des liens, de toute addiction. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné, je suis justifié, je suis transformé, je suis glorifié. Merci Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique-là. Ding, 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 ding. Amen.
Et après, je vais prier pour ceux qui veulent aller gagner les âmes. Et la puissance de Dieu va tomber sur vous et vous irez prêcher l'évangile et bouleverser Liège pour Jésus. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. La vie Zoé en moi. La puissance qui ramène à la vie. Nous allons continuer maintenant avec la sonorisation. Seulement la même musique. Seulement la musique, pas les voix. Yes. Il a vaincu Satan. Lève les mains, car il veut t'envoyer. Dire au monde que le bonheur qu'il cherche est en lui. Lève les mains, car il veut utiliser tes mains pour guérir les malades. Lève tes mains, car Dieu veut prouver au travers de ta vie qu'il transforme encore les hommes. Lève tes mains. Car Dieu veut t'envoyer parmi ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, afin que tu apportes la consolation. Le Saint-Esprit va te revêtir de la puissance. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'avoir un poste à l'église. La puissance de Dieu est suffisante. Et je prie que Dieu puisse toucher déjà ici 30 personnes de manière évidente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Recevez la puissance. Allez prêcher. Recevez la puissance. Allez prêcher. Recevez la puissance. Allez prêcher. Recevez.